Jacqueline Belizère, quelques grands points cap dominé actualité. Parlementaire américain, militant ak officiel et élu d'origine haïtienne a fait pression sur l'administration Biden nan sous question TPS, déportation haïtienne à crise politique là dans pays d'Haïti. TPS for Haiti. En Haïti, conseil présidentiel transition sur route pour adopter une formule présidence rotative et dans international là Qatar ak plusieurs autres pays mandé yon action ba communauté internationale là devant menace yon gros opération militaire Israël dans ville Rafah. C'est pour ça yo avec l'autre corps nous va développer pour dans yo petit moment. Bonjour bonsoir tout le monde dépendamment qui est qui côté ou attendez et regardez en même temps vidéo ça. Déjà nous vous bienvenue sur channel là pour nouveau vidéo d'information que nous porter pour aujourd'hui à côté nous va faire attendez édition la voix de l'Amérique ça que nous venir pour dans édition journal ça par exemple dans l'autre grand point n'a bien pour nous n'a faut connait la police dans département Grandas à travers SDPJ mettez la patte sur Joseph Wangli alias Dodo et bien il fait partie gang Canaran et l'autre côté tout n'a faut connait président dominicain Luis Abinader dit dans une interview qu'il y baille un média que les Asento en République dominicaine c'était Ariel Henry qui te dit ferme frontière pour haïtien capable camper canal là mes amis nous fait carré mêlé quatre monde qui va diriger conseil présidentiel là yon après l'autre et bien c'est Edgar Leblanc Smith rete branché n'a venir avec les détails pour un dossier mab sa yo actrice porno Stormy Daniel lui même après retourner dans tribunal pour continuer témoigner sous moment il était passé avec ancien président Donald Trump là dans pays les États-Unis nouvelle tout le monde saisi pour ça plaisir l'autre n'a bien pour nous dans édition nouvelle ça mais avant même nous entrer dans pour ça dominer l'actualité si c'est pour la première fois tomber sur channel là pas oublier abonner pas oublier activer la cloche notification pour la mettre sur tout pour pas rater aucune vidéo n'a bien pour nous porter pour sur channel si là et ben nous pas perdre trop de temps n'a pour rentrer directement avec information dans la voix de l'Amérique là nous souhaitons rester juste dans fin vidéo pour pas rater aucune information que n'a porter pour et bien écouter la voix de l'Amérique là puis devant n'a venir avec les détails et actualité assez dans Washington côté un groupe parlementaire américain militant officiel qui d'origine haïtienne et ben yo même il a fait pression sur administration et Biden Harris là concernant crise dans pays d'Haïti et Jean-Robert est sous place dans conférence de presse là que officiel ça au débat Jean-Robert gan pile question qui dans actualité dans pays d'Haïti que yo t'ai abordé notamment question TPS là. Oui, question TPS, ça, Jacques Léon dit, c'est capable, point central, là. Maintenant, dit que participants et tout, c'est pas seulement haïtiens d'origine américaine, gain tout, américain tout, mais américain, ça aussi, américain qui vivent dans le district électoral, côté gars, qui vivent là-dedans. Donc, il y a un intérêt dans le débat qui a fait là pour dans quelle mesure capable d'augmenter la pression sur l'administration américaine pour que les capables, et non seulement renouveler TPS pour le monde qui était déjà gain TPS, mais redésigner Haïti pour capable inclure là-dedans le monde qui était entré après l'administration de fin bail. TPS là. Donc, moun sa yo ki la nan peyi a, ki te certainement gon statut ki pa, yo pa gen dokument légal, donc yo vle ke moun sa yo. Donc, c'est un gros débat. Et gen pi sujet que participants yo discuté et y a mandé administration pour que li fè plus, c'est pas seulement TPS, mais li fè plus tout, ranger ba l'an ba tout nan peyi d'Haïti pour que Haïtien pa gen nécessité pour le parti ki te peyi. Plus passé une centaine de militants qui défendent les immigrants, élus américains d'origine haïtienne, réunis à côté du Congrès américain dans Washington DC mercredi 8 mai pour lancer appel à l'administration américaine pour redésigner Haïti dans le programme et statut de protection temporaire, TPS, renouveler le programme non pour les gens qui étaient déjà dans le programme ça, qui a expiré trois ou quatre venus là, camper sous déportation haïtienne yo, en Haïti et puis pas voyer les immigrants haïtiens dans la base Guantanamo. From economic turmoil and violence to political instability and national disasters, the people of Haiti are facing. Député Anna Presley, qui préside, attire attention administration sur situation malouque pays d'Haïti a fait face, aussi dans problème économique, violence, instabilité politique, désastre naturel, conditions qui rendent difficile pour retourner mon en Haïti. There is an urgent need for Congress to act to address député Yvette Clark, membre Black Caucus, chambre député à Bakoté, parler de besoin urgent pour Congrès à discuter situation politique là en Haïti et puis voyez, ils font assistance qui disponible pour améliorer la situation humanitaire dans le pays qui a fait face avec Gango. Député américain d'origine haïtienne, Sheila McCormick, Bakoté, une représentant de l'État Floride dans le Congrès, parler de quantité de monde qui courit à chercher refuge de l'autre côté à cause d'insécurité. États-Unis ont obligation morale pour le protéger, moun kap chache refuge. Donc, administration pas capable de voir immigrants retourner la caillou. Parlementaire a rejeté l'idée pour États-Unis d'envoyer haïtiens à vivre dans la base militaire Guantanamo, une base États-Unis utilisée pour héberger terroristes. Député Barbara
lui-même tout ajouter voile parmi députés membres Black Caucus cap lui-même mandé États-Unis changer politique vis-à-vis pays d'Haïti redésigner Haïti pour TPS mouvement pour défendre haïtien pas de commencer depuis jeudi et activité ça il pas camper tout autant administration a pas amélioré conditions haïtien cap vivre aux États-Unis mais tout améliorer conditions en Haïti pour haïtien capable rester la caillou intervenir mandé pour transition politique là bien passer et puis encourager organisation élection. Député Federica Wilson, qui représente le plus gros district électoral haïtien dans l'État de Floride, encourage élu d'origine haïtienne pour créer un fonds pour assister haïtiens qui ont un problème économique et puis pas gagner l'argent pour couvrir frais document TPS là et puis tout mettre sous pied programme éducation pour immigrants. Marie-Estime Irving, président réseau national officiel élu haïtien américain, dit c'est jeudi à même que l'administration a dû renouveler TPS là pour haïtiens et puis redessiner Haïti dans le même programme ça. Galine Joseph, directrice exécutive Haitian Bridge Alliance, une organisation qui défend les immigrants et qui est basée dans San Diego, dans l'État de Californie, a parlé avec la Voix de l'Amérique dans une rencontre. Nous toujours connaissons que la bataille n'est pas facile, nous avons frappé, que nous répondons, que nous ne répondons pas, mais nous connaissons que victoire, nous avons bataille en pile pour victoire, nous capable rassurer. Et ça, TPS représente non seulement pour les gens qui ont déjà gagné, mais pour les gens qui sont venus après, qui n'ont pas gagné, pour être capable de jouer une protection. Ça. Ça va gagner longtemps, le ministre de Sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas a déclaré l'administration par un plan pour renouveler le programme et statut de protection temporaire TPS pour Haïtiens qui ont expiré 3 ou 4 venir là. Non plus tout, il n'y a pas un plan pour redessiner Haïti dans le programme TPS. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Pendant ce temps dans le pays d'Haïti même, le conseil présidentiel transition lui-même est sous route pour adopter une nouvelle formule qui est une présidence rotative. Nous allons voir ça plus près avec Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Environ 9 jours après majorité, le conseil présidentiel a fait nommer Edgar Leblanc fils comme président conseillant. Conseiller sous route pour joindre une entente dans l'idée pour débloquer la crise là. Décision ça a été provoquée dans le temps concernant de beaux patriotiques qui supportaient le conseil présidentiel là, mandé conseiller pour dépasser divergence et rebâiller cohésion avec estrictissa. Félito Doran. De beaux patriotes et COEPAD PEA exhortent les membres du CPT à prioriser l'intérêt général et à temporiser les intérêts personnels ou de parti dans cette conjoncture particulièrement difficile que connaît le pays. Selon une source proche du conseil présidentiel, pendant une réunion qui est faite le 17 mai 2024, les nouveaux dirigeants ont été d'accord sur l'idée d'une présidence tournante dans le conseil présidentiel de transition, dans l'idée pour permettre à Xilayo, qui voulait goûter pouvoir, faire un petit coup de président. Ils ont été d'accord tout sur une décision qui peut demander une majorité qualifiée, 5 voix sur 7, dans l'idée pour rééquilibrer prise décision yo face à bloc majorité 4 conseillers yo. L'idée président sous l'Atlant est déjà sous table discussion yo bon côté certains partis politiques. Wilson Joseph, c'est membre coalition regroupement politique pour avancement à démocratie, li pas mal ouais de massa. Tous les 7 qui là étaient capable président. Nous t'ai dit que 3 fois 7 bah 21, ça veut dire même que chaque 3 mois, il était capable coordonner pour chaque 3 mois. Alors ce que responsable RNDDH là Pierre Espérance, les mêmes tout, mandé conseiller présidentiel yo Antonio. Yo ka toujours saisi yo. À partir de ça, on a comme accord pour retourner dans l'accord pour faire back sur ça et signer. Au cas où le président Stonat l'an validé, après Edgar Leblanc fils, Fritz Alphonse Jean après assurer président l'an avant de passer Maët là par Leslie Voltaire puis Louis Gérald Gilles. Selon résolution qui est adoptée mais qui n'est pas validée, chaque conseiller a passé 6 mois comme président CPT1. Conseiller Frinel Joseph, Smith Augustin et Edgar Leblanc fils n'ont pas signé résolution ça. Selon contact nous qui soulignait discussion après possible journée mercredi pendant une autre réunion. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Donc n'a pas une note officielle pour nous connaître ça qui décide finalement dans mi-temps conseil présidentiel de transition yo pendant ce temps gagné membre dans communauté a ou bien dans zone métropolitaine Port-au-Prince qui yo même des point de vue département sous décision ça Massadoville m'était parlé avec quelqu'un d'ailleurs. Citoyen qui réagit sous dernière décision Conseil présidentiel transition prend pour gagner une présidence tournante en tant conseil là qui veut dire chaque conseiller qui t'est posé candidat pour devenir président conseil là a gagné pour présider pendant 5 mois. Quelque n'a quoi décision si là capable faciliter et résoudre problème pays plus rapide. Contrairement à Jean-Claude Haïtien, moi même moins d'accord.
et me veut comme ça. Vous comprenez ça? En réalité, li font que nèg li fin connaît et pas li seulement là. Et gain possibilité pour retourner encore après tous les 4 fin passé, et bien 5 mois par là, là gain pour le faire. Li gain intérêt font bon 5 mois de fait pour les 4 mois fin passé et puis même pour le carré renouveler pour bon bon passé et puis c'est ça, moi, comprendre parce que le pays n'est pas capable encore. L'île est sacrée pour faire la fête déjà. Juste pour le monde qui a fait, quand on bagaille pour pas aller mieux à l'île déjà, parce que de toute façon, les choses ne sont pas. Moi, je garantis que le pays après fait un bon 2 ans. Parce que tout le monde qui est là, il y a un groupe gang, tout le monde est venu poser pour qu'il fasse un bon 2 ans. Et puis, laisse à nous, on a fait les choses. Moi, je vais sacrer bon, ma belle. Parce que vous-même, c'est calcul, pas vous faites signer ça pour faire aussi ce qu'on s'y répète là. Parce que nous-mêmes, nous devons payer à débloquer. Ok? Nous devons payer à débloquer. Ça n'a pas facilité de débloquer. On y en a plein de ministres, mais on a un week-end là, même là-bas. Quelques autres, même quoi, des masses là, pas en faveur bien-être, masse défavorisée. Ça, c'est moi, il y a un guide pour le travail. Au seul président Kougain, général de Zassé Galé Blanc, nous reconnaître comme président et conseil présidentiel là, tout l'autre, à suivre. Sa premier président yo mette a suivre yo mais général dit là pas gain combien 5 mois pour la président ça vient faire 5 mois pour la vient faire 5 mois maintenant qui paye mes amis quand ça gain là pour tout le monde besoin vienne babocher là c'est résoudre problème de sécurité a résoudre problème la vie a et puis mettre conseil électoral pour payer démarrer pour élection qu'a fait rapide là en dedans pays pour un président élu je lui dit pendant même conseil présidentiel là a chercher entendre sous différence qui gain en temps yo population sous bopal continuer compter cadavre. Papita Kiyer, il y a 4 personnes qui perdent la vie dans un bus qui t'a sorti Port-au-Prince pour entrer Kafou. Parmi eux, 3 garçons et une fille, sans compter quand c'était l'autre qui blessé en bas balle, une machine blindée la police, dans le moment force de l'audio, t'a affronté bandits vivent ensemble yo, qui n'a rentré site capital là. Juge de paix qui t'a fait constat légal là, pas décidé de parler avec la presse. Faut que nous autour, Barbara Feki, c'est non un policier femme qui mourit assassiné bien bonnet matin mercredi 8 mai 2024 là en bas balle bandit, dans le moment à tout faire, t'a tenté de kidnapper victime là. C'est en total 17 policiers qui mourent en bas balle bandit depuis commencement année 2024 là jusqu'à journée jodia d'après ça syndicat national police haïtien fait connaître Sinapoa depuis Port-au-Prince moi c'est Massado Vilmé pour VOA Créole. Merci Massado Vilmé toujours dans actualité politique là et ben gagnent défenseur droit monde maître Samuel Madistin qui mandé pour craser conseil présidentiel transition et pour y aller dans cassation pour juge cour de cassation et ben les capables les mêmes présidents cour de cassation les mêmes capables peut-être transition yon reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince dans cadre yon interview avec VOA Créole maître Samuel Madistin mandé pour dissoudre conseil présidentiel transition li estimé qui déjà créé comme désordre surtout dans question qui gère rapport avec président tournant là li dit qui pas prévoir dans accord moi crois que faut nous dissoudre CPTCA donc nous formons un gouvernement qui est efficace, qui est compétent, qui est crédible, qui est capable d'agir avec sérénité, qui est capable d'adresser les grands problèmes de l'heure, problèmes de sécurité, problèmes de relance de l'économie, problèmes d'accompagnement social de la population, problèmes de retour, de programmes incitatifs de retour au pays des professionnels qui étaient courus, qui étaient payés pour insécurité, et pays a besoin. Il faut nous faciliter que nous tournions. Donc, c'est, et puis, organiser l'élection dans des conditions acceptables pour empêcher une crise post-électorale. Maître Samuel Madistin dit que la meilleure solution pour délivrer pays, c'est faire choix d'un juge au niveau de la cassation qui permet au pays de démarrer plus rapide. Le gouvernement, c'est très simple. Il suffit de choisir le président de la Cour de cassation et le président de la Cour de cassation désigne les ministres. Fini. Désigné premier ministre et puis en consultation avec. Désigné ministre. Il doit monter pour lui. Il y a un qui dit soit son gouvernement salut public qui gagne une consultation. Il doit d'abord. Tout secteur. Non, nous n'avons pas besoin de gouvernement de tout secteur. Le gouvernement qui parle là et secteur qui parle pour élection, pour mettre des partisans. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de technocrates, de haïtiens compétents, crédibles et puis qui viennent faire sacrifice pour pendant 18 mois, 24 mois, 20 mois, 22 mois, en tout cas, pendant une période relativement courte, qui organisait le pays et puis organisait la compétition électorale. Que les gens qui viennent dans le secteur, dans le parti politique, qui ont une ambition politique, ils mettent une sourdine à leur ambition le temps que les élections s'annoncent et qu'ils le fait valoir, point de vue, position, dans la campagne électorale là, si le peuple a le pouvoir, il y a une appliquer politique, ça a été dans la tête, mais il prend le pouvoir. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de gouvernement secret, nous n'avons pas besoin de gouvernement parti politique, nous avons besoin de gouvernement compétent, crédible, qui forme d'haïtiens compétents,
placé sous le leadership d'un président neutre qui pas membre aucun parti politique, qui côté la neutralité est assurée, qui a joué le rôle d'arbitre. N'a pas gagné pour suivre intégralité interview ça sur page Facebook VOA Creole. Ou en tout ça pour VOA Creole Port-au-Prince. Voilà, c'était nouvelle concernant pays d'Haïti, actualité internationale là dans un petit moment. Ou toujours sur VOA Creole, ou à suivre un programme dans langue créole haïtienne. Et gros point dans l'actualité internationale, c'est définitivement ça qui a passé dans la région Moyen-Orient. C'est comme ça Israël fait connaître que les relouvrir passage et Kerem Shalom, non, bien que les Nations Unies disent que le poko en mesure pour le capable de voyer assistance dans Gaza. Pendant ce temps, il y a Qatar qui demandait la communauté internationale là prend bon genre action devant plan que Israël gagne pour mener une grosse opération dans Rafah. Serge François Michel. Jeudi mercredi, il y a une nouvelle pression internationale contre l'offensive Israël dans la ville Rafah, dans le sud Gaza, côté Qatar, qui est un Africain, a exprimé inquiétude pour crise humanitaire par une plus grave. Qatar, c'est un principal médiateur qui bat pour joindre un campo dans la guerre entre Israël et Hamas. Là. Et jeudi mercredi, il dit n'importe déplacement forcé pour faire civil quitter Rafah, c'est une violation grave contre la loi internationale. Le ministère des Affaires étrangères Qatar a condamné frappe israélien au Sourafa et demandé une action internationale urgente pour empêcher force israélienne d'envahir la ville. À la tête de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a demandé la communauté internationale là pour travailler ensemble pour empêcher le conflit à escalader et détruire la vie en pile monde. Il a montré l'importance de l'ONU pour aide humanitaire qu'à entrer dans Gaza. Maison-Blanche a exprimé espoir à Yemadian que Israël et Hamas n'ont pas bouché n'importe trop vite qui gagne la négociation pour y enrouler dans la bataille. Israël avait dit qu'a lancé une plus grosse opération dans la ville Rafah, dans le sud Gaza, si je dois parler pour garantir la libération aux otages échoués. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit hier soir, on a été ordonné à l'approbation du cabinet de la guerre et une opération dans Rafah. Dans quelques temps, force noyau a monté le drapeau israélien dans le passage Rafah et descend le drapeau Hamas. Entrer nous dans Rafah, c'est pour deux buts principaux dans la guerre. Joindre la libération aux otages et puis éliminer Hamas. Nous avons prouvé ça dans la libération aux otages, nous avons fait déjà. Pression militaire sur Hamas, c'est condition nécessaire pour la guerre aux otages. Et un dirigeant Hamas, Osama Hamdan, a parlé dans une conférence pour la presse dans Beyrouth, capitale pays Liban. Il dit si l'agression continue, pas gain aucun nom dans la bataille, parce que c'est Israélien qui a attaqué et qui a tiré. L'inormal pour résistance la répondre à l'agression, ça, pour nous répondre en défense et pour nous répondre pour craser l'occupation. Porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, dit qu'il y a une bonne évaluation sous position de camp. Il fait vrai que il y a dû boucher trop vite qu'il était. Et nous pouvons faire tout ce possible pour supporter les forces. L'armée Israël l'a dit à Yemadian, force Lio prend contrôle partie Gaza, dans Rafah, sous frontière entre Gaza et l'Égypte. Il y a un jour après, il a fait une bailode pour plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens quitter zone et puis il a lancé plusieurs fois par aérien. Opération israélienne en fait après plusieurs semaines, côté autorité israélienne, il a dit qu'il y a une offensive dans Rafah nécessaire pour réaliser l'objectif qui s'est battre Hamas. Alors que les États-Unis, les Nations Unies et l'autre, ont averti que lancer une offensive dans une zone qui est chargée avec civils palestiniens a créé un désastre humanitaire. Kirby dit autorité israélienne ont indiqué que l'opération dans Rafah a limité. Serge François Michel, VOA Creole. Et puis toujours gagné une négociation qui en cours surtout avec Qatar et Égypte. Et pendant ce temps, le président Joe Biden hier qui lancé un appel par les Américains pour lutter contre tout sentiment de raïssement et contre les Juifs. Et nous pourrons rejoindre Marie-Louise Pierre qui pour une déclaration président Joe Biden dans l'occasion jour souvenir Holocauste. La communauté juive veut savoir. Je vois votre peur, votre hurt, votre pain. Président Joe Biden lance appel pour mander tout Américain yo combattre antisémitisme. La haine ça a continué rete bien fond dans que trop monde dans mois là. Il mandé pour nous continuer vigilance avec franchise nous. Raïssement ça a débouché sous 7 octobre 2024 là. Dans jour fête sacré juif là, groupe terroriste Hamas a déclenché jour qui puis mortel peuple juif là depuis Holocauste là. Ancien désir pour éliminer monde juif yo sous surface la terre, plus passé 1200 monde innocent, petits bébés, parents, grands-parents, t'ai perdu la vie yo dans kibbutz. Yo t'ai massacré yo dans un festival musique, viol brutal, mutilé yo ak agression sexuelle. Plus
plusieurs milliers d'autres blessés par balle. Non, mais moi, un jour terrible, ça, il était enduré. Il était comme plusieurs centaines de monde en otage, parmi eux, survivants au Holocauste, là. Kounye là, il cite la nuit, pas 75 années plus tard, mais juste 7 mois et demi après, et Mounio déjà oublié. Yo, déjà oublié que Hamas t'a déclenché la terre, ça. Que c'est Hamas qui t'a brutalisé Israélien, yo. Que c'est Hamas qui t'a prend et qui continue qu'un béo en otage. Moi, pas oublié. Ni ou même tout, nous, pas pour j'oublier. Moi, comprends Mounio gain croyance solide à conviction profonde sous monde là. Dans Amérique, nous respecter et protéger un droit fondamental pour liberté la parole, pour débat, pas d'accord yon ak lot, pour protester pacifiquement. Et puis, faites un dévou à nous. Moi, comprendre ça, c'est Amérique. Mais pas gain aucun côté, sous aucun campus, aucun côté dans Amérique là, pour antisémite, ou soit discours raïssement, ou soit menace, violence, n'importe qualité. Président Joe Biden déclaré administration moyen avec leadership deuxième monsieur noir t'a lancé premier et stratégie nationale nation noir pour contrecarrer antisémite et puis li a mobilisé toute force gouvernement fédéral là pour protéger communauté juif yo. Mais nous connaît ça, c'est pas travail gouvernement seulement ou soit juif yo seulement, c'est peut-être ça moi mandé tout américain pour camper uni contre antisémite à raïssement sous toute forme liée. Déclaration président Joe Biden dans occasion commémoration jour Holocauste là. Marie-Louise Pierre, VOA créole. N'abrite toujours ici aux États-Unis côté vedette porno Stormy Daniels, te bail témoignage embarrassant et contre ancien président républicain Donald Trump hier mardi dans tribunal dans jugement sous cas corruption avec dossier payé pour faire bouche moun que la justice a mené contre monsieur Trump dans New York. Nous sommes sur place Valérie Saint-Louis. Vedette film pornographie Stormy Daniels, qui a un bon nom, qui c'est Stephanie Clifford, t'a témoigné hier 17 mai dans tribunal de Manhattan, dans jugement la justice a mené contre Donald Trump sous cas corruption, payer l'argent pour faire même bouche moun. Pendant plusieurs temps, Stormy Daniels, qui a 45 ans, t'a bail détail intéressant pendant témoignage, li, sous rencontre li avec Donald Trump, qui lui-même a 77 ans. Il parlait tout de deal l'argent que l'était joine à contente ça que l'était gagné avec ancien président pour lui rester tranquille pas battre colis et fermer bouche li sous relation que les deux a gagné avant élection 2016 là le ça Donald Trump t'a remporté la victoire dans course pour Maison Blanche là. Vedette film porno a été décrit rencontré avec Donald Trump qui était faite dans l'année 2006 là avec en pile détail et dans une manière qui pas fin trop bon ni en faveur ancien président dans mi-temps procès criminel ça. Il dit dans témoignage là que il était essayé pas réfléchir sous sexe là dans moment que il t'a fait là avec Donald Trump et il t'a gain la pérèse pour causer ça pas prendre la rue. Il était dit Jirio que la ville t'est vienne bouleversée, il était tête en bas après que arrangement qui était fait là t'est vienne public dans l'année 2018. Il était dit que depuis les ça, il était banni et il t'a pidé en mettre la caille. Juge t'était paraît saisi, il aurait été bouche l'ouvri pendant que Stormy Daniels t'a détaillé causé. Et par moment témoignage y a été un petit genre graphique, surtout les la bail détails sur rencontre sexuelle là avec Donald Trump qui lui-même t'est démenti ça. Donald Trump t'est metté figure bien droite, garde devant, les Stormy Daniels t'est entré dans salle tribunal là. Il t'est parlé dans oreille avocat là et puis il souquait tête lui pendant que Daniels t'a témoigné. Peut-être film porno t'est bail en pile détails sexuels qui t'a excité imagination monde qui t'a tendé yo, malgré objection répétée que avocat défense t'a fait. Témoignage mademoiselle Daniels t'est poussé équipe légale Donald Trump l'a mandé pour jugement annulé. Youn avocat Donald Trump, yo Todd Blanche, t'est mandé annulé procès a pour tête commentaire témoin t'est fait qui pas fait sens et qui t'est porté préjudice à cas. Li bay exemple en coup le fait que mademoiselle t'est dit que Donald Trump pas te mettre capote. Li dit Jiria que ça pas un détail qui important pour cas. Juge Juan Merchant t'est rejeté demande là. Et puis t'as dans journée pendant jugement, équipe avocat Donald Trump t'est utilisé opportunité qui t'est gagné pour questionner Stormy Daniels pour dépeindre mademoiselle comme une femme qui t'est motivée par intérêt personnel. Et qui te gagne animosité contre Donald Trump et qui te voulait en même temps profiter de réclamation li contre ancien président. Soit disant rencontre ça t'est faite pendant que Donald Trump t'est marié avec Mélanie qui jusqu'à présent madame ni. Pendant que avocat Donald Trump t'a questionné mademoiselle Daniels, li t'a dit que le raillit Donald Trump et il souhaitait que li aller en prison si yo joigne li coupable. Là Donald Trump t'est venu pour sortir dans le tribunal là, il t'est fait commentaire devant la presse qui était là, li t'a dit jodi a te un gros jour, yon jour avec en pile révélation. Comme nous wè ka yo a fin tombé net, yo pa gen rien qui documenté. Pas même yon bagay qui ta doué gen yon ti relation à ka. C'est juste un désastre pour avocat distria. C'est yon honte. Pendant ce temps moi bloqué, moi ici là au lieu pour me ta dans Georgia, au lieu pour me ta dans New Hampshire, au lieu pour me ta dans Wisconsin, à tout différents états que nous te voulait aller yo. Nous pas capable aller parce que nous bloqué dans jugement ça que tout monde connaît qui c'est yon plaisanterie. 6 ans qu'à la justice dans Manhattan, New York, t'a déterminé que Donald Trump t'a coupable, ancien président a fait face avec 4 années dans prison. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Merci Valerio Saint-Louis, n'a parlé de justice toujours. Côté TikTok, il traînait les États-Unis devant la justice. Gentil Augustin Junior, pour le dire plus. We'll keep fighting for your rights in the courts. TikTok accompagne Chinois ByteDance
dit AIM à 17 mai 2024 là que yo déposé yon plainte dans tribunal fédéral américain pour bloquer le roi président Joe Biden te signé qui t'a forcé bloquer application vidéo court que 170 millions américains a utilisé. Dans déposition plainte yo dans tribunal fédéral là dans Washington DC, compagnie yo discuté que loi a violé protection constitution états-unien dans liberté la parole, ça c'est yon parmi un pile l'autre raison. Loi ça que président Joe Biden te signé dans date 24 avril 2024 là, by Biden jusqu'à 19 janvier 2025 pour le vendre TikTok ou soit application app interdit sous territoire américain. Dans plainte là, compagnie yo te plaignent pour dit gouvernement visé plateforme là te sans pareil. Yo dit pas de aucun doute que mouvement ta cité forcé fermer TikTok 19 janvier 2025 fermer bouche 170 millions américains cap utiliser plateforme là pour communiquer yon façon qui pas ka reproduire yon l'autre côté. Administration te dit que objectif li pas pour interdire application mais pour propriété chinoise suspendre fonctionner pour raison sécurité nationale. La Maison Blanche ak département justice pas de vle faire commentaire sous dossier ya. Dans dossier tribunal là, compagnie yo te dit que vente là tout simplement pas possible ni commercialement, ni technologiquement, ni légalement. Yo te dit tout, déplacer code sous TikTok là aux États-Unis ka prend plusieurs années pour yon nouveau groupe ingénieur ta vraiment joindre connaissance pour gérer. Gouvernement chinois a ajouté clairement que li pa pral permettre yo prendre mot tes recommandations qui c'est yon clé dans succès TikTok aux États-Unis. D'après document, c'est seulement 21% que fondateur compagnie chinois ByteDance possède, 58% c'est pour investisseurs institutionnels mondial tant que BlackRock ak 21% pour employé yo qui gen là-dedans à peu près 7000 américains. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil Augustin Junior, nous pratiquement arrivé dans fait programme. On va parler de match football Bayern de Munich avec Real Madrid pour balancer avec personne, juste quitter nous, n'a pas chercher résultat. L'autre information que nous porter pour eh bien nous pour aller directement dans dossier canal la canal la va mettre eh bien cap fort pile par pile là pour tout le monde qui était déjà grand pile monde qui pas en secret dit tout pour yo par rapport des déclarations que président dominicain Luis Abinader lui-même lui fait n'a rappelé Luis Abinader eh bien lui-même pourquoi il est là il dans moment campagne en République dominicaine pour élection qui va venir là dans l'autre dimanche cap 19 mai 2024 là eh bien pourquoi il est là canal là déjà fin fait et Luis Abinader qui est au niveau li même pour capable bailler vérité sur toute activité ou même dans toute misère que on connaît Haïti passé par rapport à frontière fermée en pile des gaffes dans Wanamet et bien président dominicain qui c'est Luis Abinader li même li bailler une interview côté li bailler journal dans pays li même qui relé Asento donc si ou pas quoi ou bien ou voulez ouais information ça ou capable al sur Google taper Asento et bien ou joindre interview ça côté un ancien premier ministre haïtien et eh bien les mêmes selon ça Luis Abinader fait connait que dans commencement semaine ça et eh bien il fait connait que c'est ancien premier ministre haïtien Ariel Henry qui demandé lui pour lui bloquer construction canal Wanamet là et eh bien ça veut dire président dominicain lui-même qui était décidé pour contre lui faire action si là et eh bien c'est à ratkay qui t'a mangé chatkay selon ça président fait connait et eh bien après lui-même lui dit que Luis Abinader c'est ça le dit que Ariel Henry te dit avait pour capable camper canal là faut obligé fermer frontière là parce que frontière lui-même c'est de l'eau ce canal là lui-même c'est de l'eau que un groupe secteur privé dans pays d'Haïti besoin pour capable utile et mais c'est pas peuple utile qui donc c'est mandé il était mandé pour le camper nous t'ai déjà PM Ariel Henry pas jamais parlé sous canal là lui-même qui a construit dans rivière massacre là et bien tout le monde a clair c'était lui-même qui était en complicité avec président dominicain pour être capable de fermer frontière là fait toute grève tout ce qu'on est passé en pile problème haïtien vu un mauvais moment dominicain ont perdu en pile bagage et bien c'est à PM Ariel Henry lui-même qui a fait partie complicité président dominicain pour être camper construction canal là et puis couper relation li avec pays d'Haïti tout le monde saisit dans des déclarations ça mais pour un pile monde tout li pas un secret parce que PM n'a pas jamais parlé dans dossier canal là n'a pas rappelé Haïti majorité médias traditionnels yo pas jamais dit trop bagaille et bien pour te parler bien rapide Abinader te une information sur il sanctionne en pile monde sanctionné qui donc c'est pas un problème pour PM dans lui-même li t'a bay détail et bien des moun k'ap parler mal pour sanctionner pourquoi li là PM nan malgré il te fin fait ça et bien l'el te vin campé en DDN, il t'a demandé pour descendre en République dominicaine, Luis Abinader t'a refusé. Donc Haïti a continué trahir pays et eh bien puis devant tout même mon wap trahir et eh bien c'est eux même qui pral continuer faire honte parce que tout de suite après l'état pral venir honte si là.
La police dans le département Grand dans pays d'Haïti à travers SDPJ mettait la patte sous Joseph Wangli. Joseph Wangli alias Dodo, et bien ça passé vendredi 3 mai 2024 là dans la commune Ozo qui trouvait dans Grand dans là, et bien individu ça lui-même s'est présumé membre actif dans gang Canaran que la police a arrêté à Boyon Tibis compagnie Dieu qui décide lui-même qui t'a sorti Port-au-Prince pour entrer dans ville Jérémy. Ouais il là bandi yo là gagne pile qui est sauté pendant n'a parlé des arrestations, et bien l'homme au sang joue déjà paniqué là, la parlé dit, il va le faire poudre pour le bail blanc au poudre, il va le touiller blanc, le relais pour tout le monde tourner la caillou, on a quoi des bouquets, l'a séparé l'argent, et bien n'est-ce qu'il tremble, prend sans l'homme, ouah, pourquoi il est là, vraiment, il y a une panique, bon, quand, n'est-ce qu'il y a mieux, même, qui peut comprendre qui ça y regarde, n'a pas rappelé l'armée. Américain déjà la sécurité dans le pays d'Haïti mette gros sécurité dans le dossier qui est pour avec dossier base cap construit pour force Kenya et même l'État rentré sur le territoire là pour quoi les bandits ont assemblé et arrivé dans la fin réyo dans les derniers laissés là. Chef gang vite l'homme li même tout moun konnen k'ap dirije nan zone tabac, et bien li annonce après information nou capable faire confiance que li même li pral changer quartier. Chef gang krasé barrière vite l'homme li vraiment paniqué à cause des nouvelles qui dit force mission multinationale la l'ap débarqué nan pays ya, et nan jou k'ap vini la yo li pa genyen yon l'autre base. Pourquoi li la ap gen yon nan base da yo même ki nan commune tabac côté chef gang nan li même l'a dirigé un gros parti dans la commune ça, et bien comme ça vite l'homme décide de faire route pour l'établir base li dans zone de Coudival, Greffin, Platon, Bobin, et bien l'Espinasse, Calbas, Forjac avec Femat dans tête Pétionville. C'est ça qui paraît dans idée que vite l'homme même ni gen comme côté li ta supposé al faire base li, c'est dans zone Pétionville, dans zone que nous sommes cité ça yo là. Qui donc qui ça passé? Problème nan la population li même ta supposé côté ça yo que nous sommes cité à la yo même yo rete attendre avec la police pour barrer route là, et bien avec vite l'homme ni même tout monde connaît qui sont grand criminel, et bien les même ak soldat yo qui compte al cacher dans zone ça yo, et bien mettez base yo là semaine prochaine. C'est ça yo même yo pensé ou quoi conseil présidentiel là, les même avec directeur la police là ta nan tete langue avec vite l'homme toujours ces gros questions qu'a poser n'a rappelé chef police là les même qui c'est France LB. Dans l'interview, il y a des gens qui ont fait connaître que les gens qui ont est-ce qu'il y a toujours des amis qui ne nous pas connaître, mais information que nous faut connaître, vite l'homme qui intention quitter tabac qui tout près ambassade américaine, et qui tout près tout côté qui capable de gagner une base pour soldats Kenya ou une façon pour capable éloigner. Donc, la population dans la zone, ça a aussi posé rester vigilant pour empêcher malfois, lui-même là le cacher, qui donc c'est rester gourmet avec soldats étrangers qui ont sur le territoire là, malgré France LBC. Équipe li te fait qu'on fait partie équipe li, et bien équipe pas supposé à bay vite l'homme bras pour jusqu'à là c'est qui tel pour les chefs yo, yo même yo vini pour chef tout qui connu, et bien yo même yawe qui est qui pi gros dans dossier qui gen pour avec dossier bandi yo même qui déjà fait peuple la passer toute misère que nous même nous déjà connait quatre monde qui pral diriger conseil présidentiel là, et bien yon après l'autre c'est Edgar Leblanc, Smith Augustin, Leslie Volte avec Louis Gérald Gilles d'après yon dernier décision qui sorti pendant journée hier soir là, parce que monsieur ça yon yon même ta kou monsieur Augustin dit li vle fè yon coup de président tout, et bien chaque nan trois premiers yon même y a gen pour passer 5 mois dans tête conseil là, et puis Gérald Gilles li même la faire 6 mois, Fritz Jean li même li décidé quitter place li a pour Augustin, et bien pour qu'il aucune décision dans ça qu'après yon là qui co viser amélioration condition la vie population li même ki nan traka moun pou ko jan mwen Haiti ke yo même yo ta souhaité a mense zafè bagay pou chaise présidentielle k'ap régler nan dedan conseil présidentiel la. Gen moun tout ki di bonnet toujours peut-être apwe peuple la li même nan livre la jis après gouvernement li même li ta fin mouté len gen ministre nan chaque grand ministère yo, mais c'est plein nan ke ki gen pou kwen li la c'est dossier goumen pou pouvoir c'est li même nèg ap régler pou kou gen dossier peuple la. Guy Philippe li même bon côté parle n'ap vini pour avec quelques détails. Guy Philippe parle, Guy Philippe fait konnen nèg yo déjà relé le conseil présidentiel la relé porte-parole li pour offrir le poste ministre avec plusieurs détails, li même li continue refuser que donc li parle mêlé avec gens des nèg ça li même c'est bagay peuple qui veut régler, qui donc tout temps bagage aussi peuple lui-même n'est pas plat, qui donc il déclare clairement il pas veut
entendre avec aucun année qui fait partie conseil présidentiel transition ça malgré nèg yo offre Guy Philippe poste pour ta ministre pour ta joindre poste comme ministre intérieur en pile détail premier ministre li refuser yo complètement selon ça Guy Philippe lui-même dit à gauche lui-même avec Jantel qui t'a parlé malgré pile parler fait connait que Guy Philippe lui-même li t'a dans division avec Jantel et ben il démenti formellement information qui t'a fait quoi détail ça yo qui s'est passé et ben FJKL et bien eux même yo fait connait que juge d'Ossainville TK pi bien traité dossier la mort Némi Joseph qui tout monde te connait qui était mouri dans ville Mirale dans un rapport yo sorti ma 17 mai 2024 là fondation J'éclairer eux même yo fait connait que ordonnance juge Edwin d'Ossainville là les même li gen dossier important qui pas manyen là-dedans selon ça yo estimé que magistrat les même li te doit chercher plus de détails sur quelques réunions qui était planifié chou assassiner journaliste Némi Joseph et puis joindre yon moun dans secteur économique là tout qui t'a fait mauvais plan contre li yo ordonnance juge Edwin d'Ossainville là les même qui gen limite sa yo même yo gen rapport avec ça qui di yo d'après ça qui écrit dans rapport ça et bien dans un premier temps yo souligne que jou assassinat journaliste là les même te gen yon réunion qui te fait la caille directeur office national assurance VS là qui c'est ONA et même c'est qui le Frédéric Océan divers moun te là parmi yo te gen Chandou Clégène qui identifié comme présumé ou tezak là d'après ordonnance juge là les même li mette de yo yon l'autre côté yo dit tout et bien magistrat d'Ossainville pas tande aucun nan collègue Némi yo même qui te gen réunion avec 10 octobre 2019 qui te sot passé à là et bien yon façon selon ça yo même qui t'a fait plus lumière nan dossier et bien pour connait pour qui ça nan réunion ça là te gen yon rapport avec l'amo citoyen et bien il a pas tande parti moun ça yo et bien pourquoi li là nan quatre dossier ça yo mentionné tout rapport juge là lui-même qui publié dans la nuit de vendredi 2 mai 2024 qui sont passé à la montré gen moun qui kon fait contrebande qui tirail journaliste Némi Joseph pourtant nan ordonnance juge là lui-même pas gen aucun nom qui bail dernier remarque yo fait c'est par rapport avec l'ENEL assez et bien Jean yo connait et bien yon nan moun ki dwe jije devant tribunal criminel yo et bien yo reproché tout nom la loi parce que li estimé ça pa bay pièce signe pour ka identifier qui donc yo déclaré aucun moun ainsi koni pa ka obligation et bien pour paraître devant tribunal criminel et pour fin FJKL yo et bien yo même yo profiter sa lié chemin dossier a commencé faire pendant yo même yo dit y a tant pour procès a fait dans l'idée pour nation li même connaît toute vérité sous la mort si journaliste là c'est dans quand ça et bien yo dit y a tant procès a et bien yo mandé tout pour gouvernement qui là li même li retirer pressé magistrat mi balé a c'est l'ocha la guerre dans tête mairie puisque juge Edwin d'Ossainville joine l'état gemel trempé dans la mort journaliste Némi Joseph tout n'a rappelé juge Chandou Clégène ni même Ronny Célestin et Lionel Casseis Angeline Fabiola Camo l'ocha la guerre Douyou Ousval Lenel AC avec Igenschal et bien c'est non moun sa yo que magistrat d'Ossainville lui-même livré al juge dans tribunal criminel en prison il est là dossier assassinat ancien journaliste et Némi Joseph Namio Alea et bien la papille parler en pile magistrat la guerre là qui t'a fait un bon petit travail pour Jeff Papille ville si là Namio Alea mais non le cité pourquoi il est là bagaille paraît vraiment difficile dans dossier qui vient pour avec dossier sécurité dans pays d'Haïti 5178 moun koui kite Delma ak Solino pendant dernier attaque bandi yo même yo fait sou yo et ben nan enquête organisation migration internationale ki c'est OIM li publié mercredi 8 mai 2024 la yo fait konnen soti 25 avril pou 5 mai 2024 la et ben gen 5178 moun ki koui kite zone yo nan Delma 24 avec Solino selon sa yo fait comprendre nan chiffre sa yo yo jwenn gen réfugié ki té nan 6 camps en plus l'autre habitant qui pot ko quitter zone yo même en conséquence à attaque sa yo moun ki t'ap viv nan 6 centres réfugiés yo ki té nan quartier cité numéro D Kafou Payan deuxième cité Saint-Martin Silvio Kato avec Delma 28 t'obligé quitter côté sa yo en tout
Gewa fè de 5178 moun ki kite zon sa yo la, li gen la dan yo moun ki te nan sant yo, en plus habitant Delma 24, se sa yo mèm yo di nan rapò si la ke yo soti pandan jounen ye. Pi loin OIM souligne, nan moun sa yo ki kou ya, e ben gen 2654 la dan yo, yo mèm sa vle di gen yon 51% ki jwen refij ka e fami yo, tandis ke gen 2524 lot, ki bay yon lot total de 49% trouve yo nan 10 kan refije selon yo menm se commune Port-au-Prince Delma kwa de bouke avec tabac moun sa yo menm yo ta oblige koui ale dossier apparaît vraiment compliqué pendant ti site ki nan Delma 24 yo vide et bien journée jodi a la enquête la fait konnen tout gen 6 nouveaux côté moun yo menm yo a peine prend pour rete de nan yo c'est nan zone Delma spécialement nan l'école Paul Locha li menm avec terrain impasse médien li même alors que quatre autres yo même chita ko yo na Solino c'est l'église consécration Jésus Monti Claude mon prière nan nazon avec l'école nationale argentin Belgrade là li même qui trouvel nan ravine Pentat dossier mon a quitté la caille là et ben li commencé paraître vraiment bizarre là nan dernier jour ça yo là bagay yo vinn paraître pi terrible nan dossier insécurité qui continue à valer terrain nan pays d'Haïti dossier Donald Trump là et ben li même qui continue là à persécuter nan dernier jour ça yo là et ben madame qui était dans relation ou bien bon actrice porno Stormy Daniel lui-même a retourné dans tribunal pour continuer témoigner sous moment que lui-même l'était passé avec ancien président Donald Trump là d'après VOA Creole vedette film porno Stormy Daniel et bien qui dans centre procès historique contre ancien président Donald Trump et bien l'a retourné pour continuer témoigner dans tribunal New York jeudi Jodi a la ki te 9 mai 2024 kote li pral fè face avec tension kote avocat ancien président Donald Trump la li même li pral continue poser li question pour faire jiria pa kwè nan li bagay yo paraît bizarre Stormy Daniel ki konn jouer et puis tout réaliser film porno te témoigner pendant 5 de temps mardi et bien kote li te lagué yon paquet bagay sans filtre dans tribunal la et bien nan bay description sou rencontre li avec soi-disant relation sexuelle li en 2006 avec actuel candidat républicain tout moun konnen ki se Donald Trump et bien vedette si la li même li parler et bien li parler écoutez li dit Donald Trump qui était déjà marié nan moment ça ak madame li ki se Melania et bien démenti que li même li ta gen aucune relation sexuelle avec Daniel Trump c'est premier ancien président États-Unis qui nan tribunal la pour un procès criminel li en bas accusation que li même li fait magouille payer actrice porno 130 000 dollars américains pour lui-même li capable faire silence dans cause qui gagne pour avec moment lui-même li était passé dans fait campagne présidentielle li a en 2016 depuis 15 avril candidat républicain lui-même l'a marché dans tribunal dans Manhattan presque chaque jour et comme ça lui-même li côté des bayou en silence ça qui empêcher le fait campagne li Jean lui-même li ta li fait pour préparer élection selon sa journal ou thèse lui-même li fait connait dans pays si la détail en pile dans main ancien président Donald Trump qui marché devant juge sans rester dans dossier actrice porno ça et bien pas gain moyen pour ça rentrer dans pays d'Haïti sans la douane américaine lui-même li pas au courant d'après Ford à Moski qui donc li fait connait que tout gens pour ça yo rentrer et bien faut américain même si pour yo pas au courant et bien même li pas facile parce que yo toujours capable mettre contrôle sur tout ça qui gain pour avec dossier dans ça cap gain pour yo rentrer dans pays d'Haïti donc nous déjà ouais nous prend en main gomme depuis nous y a rentrer sans aucun problème parce que li pas facile ti yon ti garçon et bien yon haïtienne li même li maltraité et puis tout yé ti garçon ça li même qui te gagne seulement 4 l'année côté li même li te adopté ti garçon li même li relé Boye et bien l'été fait dans pays d'Haïti, l'été vient rentrer dans pays les États-Unis année passée et dame qui était adopté le gens qui cap constater sous écran nous là et bien les mêmes l'irrelé Patricia Saint-Tizer et bien les mêmes qui tient tellement 36 l'année sous tête li action ça même li passé dans zone Davenport Florida pays les États-Unis d'après ça la police fait connait que Patricia lui-même li connait maltraité Brian en pile bat li dans tout l'estomac li
dans une vidéo la police même yo joine yo wè haïtien nan li même li mari ti garçon an de bras derrière et puis li la gèl dans une piscine et bien pas derrière la cour la caille côté li même li rete pour qu'on y a la Patricia li dans la police et puis y a mené enquête continuer dans dossier qui gagne pour avec Patricia lui-même qui t'a maltraité et puis tout petit garçon c'est là lui-même qui seulement gagne 4 l'année qui donc adopter petit monde sans obligation si pas de bonne obligation pour adopter pas gagne et bien ou la gueule dans une piscine débordée pour tout et bien c'est pire ou crime que t'es capable fait Jean Loubet l'examen et bien c'est un gros navire de 34 l'année qui mourit en babal n'importe où presque pendant lui-même l'étape soutenant enseigné pendant ailleurs m'a dit qu'il est 7 mai 2024 là d'après un cousin lui et bien qui m'a dit pour non pas citer pendant le sorti sous fait coup dans centre ville pour te même rentrer la caille et bien ancien gonavien lui-même il était sur un biscafou pendant machine là lui-même l'étape vini et bien individu yo pas arrivé identifié qui était en dedans chablende l'ouvrir coup de balle sur yo et bien comme des gars en plus passé 4 monde qui était déjà mouri parmi yo et bien c'est Jean Loubet l'examen lui-même qui c'est un gonavien mes amis bagayou red dans la mort en pile bon monde qui toujours ap tomber monde qui prépare pour tailler des pays a et yo continue ap tomber en babal neg exam mi balè machine noire dans gaz et bien dans un autre rappel commissaire gouvernement Gabriel Fleury mette de yo mercredi 8 mai 2024 la maistre a rappelé tout mettre bon yo vendre gaz dans juridiction côté li affecté yo qui donc c'est une obligation pour respecter prix ministère commerce avec industrie qui fixé 20 gallons gaz da 570 goud pour gasoline et diesel 670 goud pour 20 gallons diesel la CGA dit tout mettre monte qui t'a metté même un goud sous prix ça yo et bien même y a gain code pour rendre avec la justice selon loi 20 décembre 1946 là qui donc note si là yo mettez dit yo pour nèg faire machine yo nèg pas jamais suspendre dans dossier pour avec dossier marché noir dans pays d'Haïti parce que yo même c'est là dans yo prend feeling yo par rapport absence l'état qui a mal marché et ben yo prend feeling yo dans fait du peuple a bivan yo bagay prix li même li pa vou dans dossier qui gien pour avec dossier prix la vie chère dans pays d'Haïti et bien commissaire Vivalé li même li déjà ba nèg ça yo pinga pour vendre gaz là dans prix PM dans li même li était déjà metel et était un prix était déjà. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification à mettre sur toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté te abonner avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.